Bon, ben, bonjour à toutes, puisque pratiquement c'est toutes, et bonjour à... Donc, il vous a dit en quelques mots mon histoire, parce que je vais vous parler un peu de moi en passant. Donc, moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans, et c'était la première année où j'avais des culottes longues. J'arrivais de ma province, comme on dit, et pour aller dans un espèce de bagne qui s'appelle une classe préparatoire. Donc, franchement, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais Paris, c'est tellement accueillant que... On y arrive, et je m'étais mis d'accord avec un certain nombre de types de mon âge pour passer le samedi soir entre nous et puis voir la vie culturelle à Paris. Donc à l'époque, la vie culturelle à Paris était quand même très très vive et à la portée de tout le monde. C'est-à-dire on pouvait sans problème aller à la Comédie-Française pour moins cher que ce verre de flotte. On pouvait aller dans les petites boîtes où il y avait des chanteurs, dans les petites boîtes où on faisait du jazz. Tout ça, c'était assez facile. C'était même très facile. Et donc, en fait, cette période-là, c'est la période dont je suis arrivé en 56. C'est arrivé la période où il y a eu, au niveau culturel, deux grandes révolutions en France. C'est-à-dire, d'un côté, au cinéma, la nouvelle vague. Et d'autre côté, au niveau de la chanson, cette nouvelle vague de chansons que moi j'appelle la belle équipe, la grande équipe, dont je vais vous citer les noms tout de suite. Et donc cette révolution s'est faite en cette évolution est devenue une révolution en quelques mois, quelques années. C'est pour ça que je peux en parler assez sciemment, parce qu'on avait le nez dessus. C'est-à-dire, un samedi, on allait dans une boîte et on entendait dire que la veille, Jacques Brel avait chanté Amsterdam, machin. Le chanteur, il chantait Amsterdam, personne n'avait jamais entendu. C'était assez spontané comme différence, et le cinéma, c'était encore pire. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est une passion pour moi? Sûrement pas. Je suis plutôt musicien, mais c'est surtout que depuis ce moment-là, le cinéma, la chanson, pour moi, c'est essentiel. C'est pas. Alors, cette équipe de chanteurs-là, on peut les citer. En fait, à cette époque-là, en 1960, ils avaient tous 30 ans, sauf Léo Ferré qui avait 15 ans de plus, Brassens qui avait 10 ans de plus, mais tous les autres, que ce soit Barbara, puisqu'on va parler d'elle, Brel, Gainsbourg, Nougaro, et puis je dois en passer un, je sais pas, oui, c'est tout, sont des types qui avaient tous 30 ans à l'époque, comme les jeunes cinéastes d'ailleurs. Donc, ils venaient avec des armes nouvelles. D'abord, une culture différente. C'est la première, juste après la guerre, c'était important de comprendre que la mondialisation arrivait. C'était important de comprendre que la place de la femme dans la société allait changer. Elle avait un peu changé parce que vous aviez le droit de vote à l'époque, tout juste. Et donc, on savait bien que ça allait changer. Alors que moi, quand je suis arrivé en 56, au restaurant universitaire, il y avait une fille pour 100 personnes. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de filles qui faisaient des études supérieures. Et pourtant, c'est des milieux aisés à Paris, et surtout dans le quartier latin. C'est vraiment des milieux aisés. Et donc, on sentait bien qu'il y avait des choses qui arrivaient comme ça. On sentait même, et vous venez d'entendre Moustaki, qu'il y avait d'autres choses qui étaient, d'autres périls qui arrivaient. Par exemple, des risques sur la santé de notre planète, par exemple, qui arrivaient déjà à cette époque-là, c'est-à-dire bien avant 68. Et donc, les arts, comme vous savez, que tous les arts sont là pour mettre les gens en face des réalités. C'est-à-dire la réalité d'aujourd'hui, la réalité des gens qui les entourent, c'est peint en bleu, c'est peint en rouge, c'est dessiné, c'est chansonné, d'accord, mais c'est un des buts de l'art. Le deuxième but de l'art, qui est important, sans doute peut-être le plus important, c'est d'activer ce qu'on appelle, enfin, ce que certains appellent la folle des logis, c'est-à-dire d'activer chez les gens les idées qui viennent en regardant un tableau, en écoutant une chanson, et d'activer l'imagination. Ça s'appelle, Sagan appelait ça la folle des logis, puis depuis c'est devenu la folle des logis. Et donc les arts, dont la chanson et le cinéma font partie, ont toujours eu cette optique-là. Maintenant, les arts se placent toujours dans un ensemble, dans ce qu'on appelle un système économique.
puisque les objets d'art, de toute façon, ça finit par se vendre, soit sous forme de billets pour des concerts, ou sous ces formes de statues, ça finit toujours par se vendre. Donc, à chaque fois qu'il y a un art, il y a un écosystème qui se monte, et l'écosystème, c'est les créateurs au milieu, enfin au milieu soi-disant, au milieu, et puis à l'extérieur, les consommateurs, c'est-à-dire nous tous, et puis entre les deux, une frontière, un espace. Ça, c'est ce que Boris Vian appelait les commerçants, appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'est des gens qui vivent de l'art, sans en faire. Donc, vous voyez, c'est comme les gens qui vivent du football sans savoir taper dans le ballon. C'est pareil. C'est-à-dire que, a priori, ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est du pognon. Le reste, ils s'en foutent. Et c'était vrai depuis très longtemps, depuis la Renaissance. Et donc, l'arrivée de nouveaux créateurs des deux côtés a permis de changer ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire le modèle économique. Dans le modèle économique, les gens qui sont arrivés, par exemple Brassens, il est arrivé, c'est lui qui est arrivé le plus tôt, en 53-54, il est venu en disant, moi je suis chanteur, oui, d'accord, on m'appelle chanteur, moi je suis, mais je suis aussi compositeur, je suis aussi écrivain, auteur, je suis aussi interprète, donc parce que je suis chanteur, je suis mon propre accompagnateur avec un truc, et donc moi, les gens qui vendent mes affaires, j'y comprends rien, je me confie à des gens qui sont de bonne intelligence avec moi, qui me font confiance, je leur fais confiance, mais au fond de moi-même, j'ai pas tout à fait confiance. Donc tous les gens étaient comme ça, tous les ces novateurs étaient comme ça, et donc ils ont décidé de changer le paradigme, c'est-à-dire au lieu d'avoir un paradigme où ceux qui dirigent, c'est ceux qui font le pognon, ce sera un paradigme où ce sera ceux qui créent, qui portent leur création devant le public. C'est ce qu'on appelle du circuit court maintenant, hein, c'est exactement ça. Et donc, qui décident de se prendre en main, tout compris. Alors, évidemment, Brassens, il avait des hommes d'affaires qui s'occupaient de lui. Enfin, si vous lisez un peu sa biographie, vous verrez que ces hommes d'affaires, c'était un mec qu'il avait connu pendant le service militaire, et puis un autre, c'était son chef de métro. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'être très très fort hein, pour devenir producteur ou pour décrocher le téléphone. C'est pas très difficile. Donc, cette révolution artistique s'est traduite aussi par une révolution économique, si je puis dire. Donc, et puis après, la retombée, c'est que ça se passait autrement. Alors, faut revenir à ce qui se passait avant. Par exemple, un type comme Yves Montand, comment il faisait? Yves Montand, c'est la génération juste avant. Hein. Yves Montand, il était chanteur, il avait des mecs autour de lui, et puis il laissait venir les auteurs, c'est-à-dire les paroliers qui écrivaient les paroles, les mélodistes qui écrivaient les musiques. Raconte-moi ton histoire, machin. Oh, ça m'intéresse. Voilà. Bon, vous débrouillez, vous avez de la pièce à côté, vous avez 10 minutes pour me faire une chanson, et puis voilà, et puis après, je l'apprends. J'achète la chanson. Son homme d'affaires disait j'achète, il sortait le chèque, et donc après la chanson devenait la chanson d'Yves Montand. Quand on achetait des chansons chez le marchand de chansons, le marchand de papier de petit format, qu'on disait, on voyait le titre de la chanson et puis les interprètes principaux. Et donc les nouveaux auteurs, les auteurs compositeurs interprètes, on va les appeler comme ça, ces gens-là, ils ont dit non, nous on n'est pas comme ça, puisque nous on fait tout le boulot. On fait notre boulot, on le propose au public, et puis après, on voit bien comment ça se passe, et puis on se débrouille. Puis si les gens veulent pas de nous, ben on redeviendra instituteur ou conducteur de tramway, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un changement qui est fondamental. Actuellement, donc 50, plus 60 ans après, pardon, il y a eu un retour au business. Vous le voyez bien, hein, Claude François, c'était pas un intello, Michel Sardou encore moins. Et donc il y a un retour au business qui est forcené depuis quelques décennies et sous l'influence américaine. Et en fait, la chanson est devenue pratiquement une distraction, ce qu'on appelle un entertainment en anglais, c'est-à-dire du spectacle. Hein, c'est pour ça que quand vous ouvrez la télé, vous avez une chanson, mais en fait vous écoutez pas la chanson parce que vous voyez des filles qui lèvent la jambe, des mecs qui font les cons un peu partout, et puis vous voyez des gens. Bon. Et posez-vous la question, est-ce que vous écoutez vraiment ce qu'on vous chante? Ça m'étonnerait. Tiens, j'ai des copains. Et donc le paradigme change petit à petit. Et donc les gens comme Brel, Brassens, etc., ne s'y retrouveraient plus maintenant. Actuellement, il y a un type qui a l'honnêteté d'être créateur et d'aider les jeunes créateurs, c'est Julien Clerc.
Et c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Il y a des gens qui sortent comme ça de temps en temps. Tous les ans, on en sort un. On le met sur le devant de la scène. Nagui vient, il dit Tadala, t'es le plus beau, tout ça. Puis l'année suivante, on le voit plus. Donc ça, c'est le business. Et donc, voilà, on est dans ce business. Donc, et il y a eu une parenthèse vraiment enchantée dans les années 60, 65, avec des prolongements, bien sûr, à cause des six auteurs dont je vous ai parlé. Alors, en fait, ces auteurs-là ne sont pas arrivés comme ça, en disant « moi, je suis auteur, compositeur ». Juste avant la guerre, il y a un type qui leur avait ouvert les portes, c'était Charles Trenet. Hein. Charles Trenet, c'était un auteur, compositeur, chanteur, un peu fou, donc il avait un homme d'affaires, et puis le reste, il s'en foutait. Et donc, il a fait une belle carrière. Et puis, il y en avait d'autres aussi qui avaient pensé à tout ça. C'était Prévert, par exemple, qui avait bien pensé ce que c'était que la chanson populaire, la poésie populaire, parce que la sortie de Prévert a fait sa sortie pendant le Front populaire. Donc, tout ça, il voulait populariser les arts, et en particulier la chanson, la poésie, etc. Donc, tous ces gens-là venaient avec des antécédents dans leur tête, qui étaient justement des antécédents français. Mais si on remonte plus loin, Ferré disait toujours, alors je ne vais pas pontifier toute la journée, hein, Ferré disait, la poésie, ça ne doit pas rester sur des étagères enfermées dans des bouquins. La poésie, il faut en parler, et même mieux, il faut la chanter. Donc, c'est ce qu'on appelait la poésie lyrique, et c'est ce que les Grecs appelaient la poésie lyrique. C'était, pour eux, c'était un art. Donc, et puis après, vous savez comme moi que au niveau de la Renaissance, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui étaient en même temps auteurs, compositeurs, qui traînaient dans les châteaux, comme ça, vous les avez vus à courir après les belles filles. Et puis encore un peu plus tard, dans Astérix, était suivi par un druide qui chantait, qui composait et qui soi-disant parlait, racontait des choses. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc depuis que je suis licencié de l'administration, je m'intéresse à ça, et puis je retrouve des choses que j'avais connues il y a 50, 60 ans. Je retrouve des notes, des morceaux de papier, des articles, et puis ça me permet de réfléchir à ça. Et c'est pour ça que j'ai proposé à notre ami de vous présenter cette chose-là sur Barbara. Alors pourquoi Barbara? Ben d'abord parce que ben ça tombe bien, parce que c'est une femme, c'est la seule femme du lot de six personnes que j'ai sélectionnées. Elle a 30 ans aussi, en 60, donc elle est tout à fait dans le profil. Mais c'est plus grave que ça, c'est plus riche que ça, la personnalité de Barbara. Je vais vous raconter brièvement son histoire, que tout le monde, je pense, connaît un peu. Ça, c'est quelque chose d'important, mais tous les poètes ont eu plus ou moins une enfance malheureuse, ou pas très heureuse, ou trop heureuse. Enfin bref, ça, c'est pas une caractéristique. L'autre caractéristique, c'est qu'elle est vraiment auteur, elle écrit ses textes, compositeur et interprète, c'est une très grande interprète, c'est une grande accompagnatrice au piano, je vous en reparlerai brièvement, et donc elle a toute la panoplie du métier. Ensuite, elle a eu une ascension rapide jusqu'en... Moi, je l'ai connue en 61, je suis allé la voir, je vais vous en parler, en 61, elle est passée dans un petit bistrot à Paris, et les gens venaient de plus en plus la voir, et les journaux parlaient d'elle, on parlait d'elle à la télé, on parlait d'elle dans Le Canard Enchaîné, donc il y avait de plus en plus de gens qui venaient la voir en 61. Donc elle chantait, je vais vous faire écouter ce qu'elle chantait, et tout d'un coup, en 64, elle a fait une chanson qui a révolutionné la France, enfin on n'écoutait que ça, et en 65, elle est passée à Bobino, donc elle a fait son évolution, elle, très très rapidement. Alors, l'autre raison pourquoi je vous parle d'elle, c'est qu'elle a eu, vis-à-vis de son public, elle a réussi à réunir autour d'elle un public par des méthodes qui ne sont pas les méthodes habituelles. Donc, quand elle chantait à la fin de sa vie, enfin à partir des années 70, quand elle chantait, les gens n'allaient pas à un tour de chant de Barbara, ils allaient à la messe, quoi. Ils allaient pour chanter avec Barbara et pour... prendre ses idées et se faire témoin de ses idées. Donc elle a vraiment, par rapport au public, une attitude très très singulière. Et puis enfin, elle diffuse une espèce d'art de vivre, une espèce de morale
qui est tout à fait particulière, puisque c'est la morale de la liberté de la femme. Je ne parle pas de la libération de la femme, mais de la liberté de la femme. Pas ce qu'on connaît maintenant, mais ce qu'on connaissait à l'époque. Et à l'époque, je vous rappelle rapidement que Simone de Beauvoir, c'était pas loin, c'était à Saint-Germain-des-Prés. Simone de Beauvoir, on l'a connue juste après la guerre, que Juliette Gréco, elle chantait juste à côté à Saint-Germain-des-Prés, mais c'était pas la même bande, que Françoise Sagan, c'était un peu partout Saint-Germain-des-Prés, et tout ça, c'était dans les années 50, 60, 65. Et donc, tout ce qui a frappé les gens, en particulier certains hommes, ça s'est passé à la même époque. Donc, c'est l'évolution de la chanson française s'est faite avec l'évolution de la condition féminine, à condition que à la fois chanson et condition féminine soient des choses qui soient réputées comme étant innovantes, c'est-à-dire apportant des idées nouvelles. Voilà. Alors, en gros, qui c'était Barbara? Barbara, c'est une fille qui s'appelait Monique. Bon, c'est pas très joli. Oh, pardon, il y en a peut-être une parmi vous. Je vois à peu près, je crois qu'il n'y en a pas. C'est pas l'âge. Donc elle s'appelait Monique Cerf. Elle était d'une famille juive, sa mère était alsacienne, son père était russe. Donc au début de la guerre, elle avait 10 ans. Ça commençait à chauffer à Paris pour les juifs. Donc ses parents ont commencé à aller sur les routes de France, comme on voit au cinéma pas mal ces temps-ci. Poursuivis par la police, dénoncés par des gens, aidés par d'autres. Enfin, ils ont été vagabonds, ils ont été comme les émigrés qu'il y a ici, à 50 mètres d'ici, tous les jours. Ils avaient exactement cette vie-là, hein. Donc, elle va en parler plus tard avec enthousiasme, parce que c'était sa jeunesse à elle, mais en tout cas, elle en a chié, quoi, pour parler rapidement. Excusez-moi, des fois, je parle un peu masculin. Et en plus, non seulement elle en a souffert, mais sa famille en a souffert. Au point que, un jour, son père a décidé de la violer, comme ça, au hasard. Justement. Et donc, elle s'est fait violer par son père pendant une dizaine d'années. Donc, sans s'en dire rien à personne, ni à sa mère, ni à personne, en gardant ça pour elle. Pensant peut-être que c'était naturel. Donc ça, c'était la Monique en question. Et après, elle a décidé de s'appeler Barbara. Donc, quand la guerre a été finie, la guerre, ses parents partaient de Paris, ils l'ont fini du côté de Nice, là. Donc, ils ont commencé avec la Gestapo, là-haut, et en bas, ils ont fini avec la police italienne qui leur courait aux fesses. Et donc, quand la guerre est finie, ils sont remontés à Paris, le père a disparu parce qu'il était sûrement un peu honteux de tout ça. Enfin, bref, je sais pas. Quand ils sont remontés, elle a décidé de faire des études de chant. Voilà. Elle avait donc 15 ans à peu près, elle a fait des études de chant. Ça se faisait à l'époque, hein, parce qu'il y avait des écoles de chant. Il y a toujours des écoles de chant, mais enfin, il peut y avoir une par là, je crois. Et donc, elle a fait des études de chant en disant, plus tard, qu'est-ce que je serais? Ben, je serais choriste, par exemple. Pas chanteur, mais choriste. Donc, il y avait des choristes partout, dans tous les théâtres, à l'opéra comique, au cirque, dans le cinéma, il y avait des choristes partout. Et les études de chant étaient à cette époque-là des études très développées. C'était pas les écoles de chant de quartier, comme c'est pour ça que je montre en face, mais c'était des choses. Ça s'appelait par exemple la Schola Cantorum, si vous avez entendu parler de ça. C'était au Quartier Latin aussi, ça. C'est-à-dire un truc à côté du conservatoire. Et franchement, les jeunes qui étaient là-dedans, ils savaient chanter, ça c'est sûr. Donc il y en a quelques-unes surtout qui sont sorties de l'affaire. La sœur de Michel Legrand, dont on entend la voix dans tous les films de Demi, Barbara, puis il y en a une ou deux autres qui traînent par là, qui s'en sont sortis et qui ont acquis là, non seulement une belle voix, mais une voix très riche. C'est-à-dire une voix, on leur apprenait à prononcer des mots en arabe, en juif, en indien, tout pour leur apprendre à gesticuler de la mâchoire et avoir la mâchoire facile, de la même façon qu'on leur enseignait de se servir de ça là pour monter et pour descendre. Donc ils avaient une formation très complète de choristes et de chanteurs et de chanteuses. Donc elle a fait cette formation là
Donc il y en a plein qui ont cette formation-là, qui traînent dans le milieu depuis cette époque-là. Maintenant, ça s'est un peu calmé, tout ça, parce que ça a été pris en main par le conservatoire. Donc c'est devenu sans doute peut-être un peu plus sérieux, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas. On doit exiger un bac plus 5 pour rentrer maintenant, alors qu'à l'époque, il rentrait après le certificat d'études, hein, il n'y avait pas de problème. On les faisait rentrer sur leur don pour le chant et pour la musique. Donc elle a une formation de chanteuse complète, chanteuse classique, mais aussi chanteuse un peu extraordinaire, exotique. Et elle prend une petite annonce. Elle commençait à avoir des aventures masculines, parce que c'était une jeune femme qui aimait bien les garçons. Donc elle commençait à bagnauder à gauche à droite, et elle se retrouve à Bruxelles pour diriger une boîte de nuit à côté des abattoirs de Bruxelles, je sais pas, un truc minable, où elle dirigeait une boîte de nuit, elle chantait dans une boîte de nuit. Alors elle chantait ce qui lui venait par la tête, du café-concert, du Trenet, du Ferré, du Brassens. De toute façon, les gens étaient sous, donc c'était pas grave. Et puis voilà, il y a passé quelques années là. Et puis, ça ne s'aperçoit pas dans ce qu'elle écrit, on le sent pas ça. Ce qu'elle écrit, c'est qu'elle a une jeunesse formidable. Autant pendant la guerre, je vous citerai quelques... Ah oui, par exemple, pour la guerre, elle dit « La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, je pense aux autres jeunes juifs, au temps de leur enfance. Nous vivions comme des hors-la-loi pendant la guerre. J'aimais ça, quand j'y pense, ô mes printemps, ô mes soleils. » Et quand elle parle de sa jeunesse à Bruxelles, elle n'en parle pas, elle parle des garçons qu'elle appelait ses guerriers, qui venaient la voir de temps en temps, une fois en général. Et elle s'est mariée, puis ça a duré 15 jours, et elle est repartie. Elle a quitté son Jules. Et, donc, Bruxelles commençait à la travailler, ça la fatiguait. Elle rentre à Paris, et elle trouve une boîte, où il y avait des chansons, des chanteurs, dans le quartier latin, qui s'appelle L'Écluse, au bas du boulevard Saint-Michel, qui la prend comme chanteuse, avec un salaire de minable. Hein. Les gens qui passaient là, les chanteurs, ils disaient souvent, dans la soirée, on est obligé de faire 4 boîtes dans la soirée pour gagner un peu d'argent, c'est-à-dire ils faisaient une demi-heure dans une boîte, ils prenaient un taxi, ils allaient dans une autre boîte, etc. Et puis ils disent, une fois qu'on a payé les taxis, il nous reste juste de quoi manger le lendemain matin. Hein. Donc c'était un métier de chien. Hein. Donc c'est ces gens-là qu'on fréquentait dans ces boîtes. Et dans cette boîte-là, qui s'appelait L'Écluse, finalement, elle est devenue la chef-tenne là-dedans. Donc c'est elle qui chantait la dernière. On sentait, elle se baladait là-dedans, on sentait qu'elle était chez elle. Et elle avait sa place. Hein. Mais c'est une place par rapport à la chanson, par rapport au métier, c'est une petite place, c'est une petite boîte. Alors, en bas du boulevard Saint-Michel, sur les quais, c'est une boîte. C'était grand comme ça, à peu près, là. C'était beaucoup moins moderne que ça. Il y avait du carrelage dans une salle pour écouter les chanteurs, c'est terrible. Il y avait des porte-manteaux, il y avait des sièges qui étaient beaucoup moins rembourrés que les vôtres, et des sièges. Il y avait un mec qui passait, qui distribuait des bières qu'on payait, puis etc. Puis il y avait une scène qui était grande, allez, comme le coin où vous êtes, ce coin-là, et puis une porte pour une espèce d'arrière-scène où les gens se préparaient, les chanteurs se préparaient. C'était petit comme ça. Et là, dans ce coin-là, il y avait un piano, et c'était un piano droit, c'était pour Barbara, et le piano droit, elle avait fait disposer comme ça, à 45 degrés. D'habitude, les gens, avant cette époque-là, le piano était comme ça, c'est-à-dire les gens ils voyaient la scène, enfin les chanteurs ils voyaient la scène comme ça. Elle se débrouillait pour avoir un coup d'œil sur toute la pièce et se cacher un petit peu derrière son piano pour la plupart des gens quand elle avait un fou rire ou qu'elle s'emmerdait. Et puis donc c'est elle qui a donné cette mode-là avec un piano droit. Voilà. Alors qu'est-ce que il est là, le jeune homme. Alors, attention. Alors, voilà. Moi, j'y suis allé en 61. On peut y aller? Oui, bien sûr. Oui. Allez, la première, s'il vous plaît. Toutes les musiques? Non, la première, je vous dirai. Ah, ouais. Ah, si vous voulez, oui. Pour qui? Pour moi? Oui, ben oui. Ah, bon, non, mais ça m'est égal. C'est pas celle-ci, non? Ah non, c'est pas ça. Voilà, attendez.
c'est ce que je vais faire. Mmh. Moi, je vais leur faire le truc, là. Et après, on passe tous les uns derrière les autres. D'accord, ok. D'accord. Attendez, là. Bon, ben, bah, salut, hein. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, vous? C'est pas facile. Mais à cause de vous. Je suis plus augmentée. Heureusement, mon appareil. Mais on est deux malentendants. Si tu peux un peu. Ouais. C'était comme. Hein? Salut, Mimi. Tu m'excuseras auprès des gens pour les gros mots que je balance, mais je parle comme ça. T'as raison. Ouais. C'est quoi le. T'as quoi la scène? Pardon? C'est plus vivant comme ça. Ah oui, de toute façon. Justement, je m'étais toujours demandé si la chanson Nantes était vraiment en rapport avec le père de Barbara. Oui, ben, je vous en parlais, oui. Oh, oui, bien sûr. Frédéric Barbara. Hein. Ouais. Moi, j'avais 15 ans, je regardais ça avec ma copine. J'habitais Cognac et alors on écoutait Barbara à longueur de journée. C'est vachement intéressant et j'adore votre mise en perspective. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux boire? Non, ça y est, je suis chargé là, c'est bon. Et par contre, dans les petits jeunes, là, ouais. Y a, alors je ne suis pas au même niveau, hein, mais il y a un retour quand même c'est chez les auteurs compositeurs. Alors, pas de la même veine, hein, mais. Ah oui, mais il y a toujours eu, hein, tout ça. Ouais, enfin, je trouve que depuis 2-3 ans, il y a un retour plus important. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Oh, bah, des fois. Oui, des fois, des fois, il y a des pépites. Le fils de l'Alexis a pu connaître Damien. Il a des textes magnifiques. Ouais. Hein. Non, mais là, vraiment, c'est bouleversant. C'est très, très excellent. Mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils sont dans des circuits un peu parallèles. C'est pour ça que je parlais de circuits courts, parce que c'est un peu comme les fruits et légumes, ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est pas pareil. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre sous l'emprise de... Oui, c'est ça, parce que c'est un système. Pardon, madame. Tu bois... Non, je bois de l'eau pour l'instant. C'est après. Non, après, je prendrai un grand cognac avec le 3 Ricard. Le monsieur, il parle, il nous donne soif. Ah, bravo. Ah, c'est malin. Vous entendez bien? On boit pour vous, en fait. Hein? On boit pour vous, parce que vous parlez. On boit vos paroles, en fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on va écouter, là, la première, c'est quoi? C'est... elle vendait des petits gâteaux. Vous connaissez? J'adore, oui. Des petits gâteaux. On connaît pas tout, parce que... Je regardais sur la clique, j'avais mis les chansons dans le même ordre en fait. Donc du coup, celle-là, normalement, c'était la première. Ouais, bah, c'était pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Après, on va tout passer d'un coup. Ouais. Et puis, je me débrouille. Merci. Hein. Bah, j'ai Barbara. J'étais au tripode. Barbara, j'ai vraiment découvert qu'il y avait l'aigle noir, il y avait maman, il y en avait d'autres. Donc là, il y a pas de jeunes, hein. Bon, bah, on va y aller. Non, c'est bon. C'est sûr, t'es beurre rien. Non, ils avaient ça dans leur sonothèque. Il y avait une personne qui passait dans les chambres et proposait un radiocassette bon. Avec le. Ouais, vas-y. Bon, ça y est, tout le monde. Allez, on y retourne. On y retourne. Donc, j'étais en train de vous dire. Vous voyez la petite salle dont je vous parlais, c'était les années 60-61. Donc, c'était au quartier latin. Donc. C'était toujours bourré, l'écluse, à cause de Barbara en particulier. Et elle avait organisé sa... Elle venait en fin de soirée, elle présentait une dizaine de chansons. Et elle présentait trois types de chansons. Premier type de chansons, c'était les chansons de café-concert. C'est-à-dire, tout à l'heure, on va vous montrer... Elle vendait des petits gâteaux. C'était des chansons comme ça, des chansons de café-concert, parce qu'elle aimait ça. C'était une fille très joyeuse, en fait. Donc elle aimait ça, elle aimait faire le con, et elle chantait ça. Elle chantait, s'accompagnait au piano. Alors, j'avais jamais connu, avant elle, de gens qui tapaient sur le piano aussi fort. C'était Beko tapait sur le piano, mais elle tapait vraiment sur le piano. Vous allez entendre, on entend le piano. Alors que maintenant, les pianistes, ils font comme ça, là, je ne sais pas si vous regardez, ils font comme ça. Voilà, ils ont appris à jouer au piano dans le conservatoire de Montrouge et puis c'est terminé. Non, mais elle tapait sur le piano et elle avait fait, on entendait les basses comme dans les chanteuses de boogie woogie ou de jazz, on entendait tout ça. Hein. Donc déjà c'était particulier. Donc elle chantait
des chansons de café concert. Elle chantait des chansons des nouveaux auteurs de l'époque, c'est-à-dire des chansons de Brassens, des chansons de Brel, des chansons de je sais pas qui, enfin bref. Donc elle annonçait pas les morceaux, elle disait pas je vais vous chanter machin, le parolier c'est celui-ci, le musicien c'est l'autre. Pas ça, ça c'était Yves Montand qui faisait ça, mais elle chantait. Voilà. Elle était sur l'estrade, elle chantait, elle enchaînait les chansons, et de temps en temps elle enchaînait des chansons qu'on connaissait pas. Et elle disait pas ces chansons-là, c'est moi qui les ai faites. Elle avait aucun besoin de le dire. Hein. Et parmi celles-là, il y en avait une que vous entendrez, qui c'était « Dis quand reviendras-tu ». C'était une de ses premières chansons, qui était une chanson qu'elle avait dédiée à... Enfin non, on verra tout à l'heure qu'elle dédiait rien à personne, mais qui parlait d'un amant qu'elle avait eu, et qu'elle a dit une fois, parce que pour savoir ce qu'elle a dit, faut se lever de bonne heure, elle a dit une fois que ce type-là, à la limite, il lui aurait proposé de vivre avec lui sans sortir le soir pour aller chanter devant les gens, à la limite, elle aurait peut-être réfléchi. Mais tous ses autres copains qu'elle avait croisés dans sa vie, c'était, comme on va le voir, bonjour, bonsoir. Alors, non, mais ça, la femme libre, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Alors, on va vous passer une chanson de Brassens, c'est Il n'y a pas d'amour heureux, parce que c'est la seule que j'ai trouvée dans le truc. Alors, quand on écoute ces chansons, on va le voir, mais je reviendrai là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est justement que c'est une chanteuse qui est très achevée, comme je vous l'ai dit. Elle a suivi des cours de chant. On voit, elle monte la voix, elle rigole comme à l'opéra comique, elle chuchote. Enfin, elle fait vraiment son boulot d'interprète et son boulot d'accompagnateur aussi bien. Alors après, là, sur ce qu'elle nous montrait. À cette époque-là, d'abord, on savait pas que c'était elle qui avait fait les chansons, et puis on pouvait pas se faire d'idées. Après, je vous dirai quelles idées on pourra se faire après. Alors, comme elle était à l'écluse, elle s'est fait remarquer. Brassens, ça a été un des premiers à la remarquer, et elle a fait des premières parties de Brassens, c'est-à-dire Brassens jouait la deuxième partie du spectacle, et elle venait chanter deux chansons. Puis elle s'en... Donc moi, je l'ai vue une fois à Bobino. Et puis, donc, elle commençait à être dans le circuit. Et puis, elle a fait un double disque, deux disques. Barbara chante Brassens, Barbara chante Brel, qui étaient des disques vraiment consistants. Le Barbara chante Brassens semble appliqué, parce que c'est vraiment... on voit Brassens sous un angle complètement différent. Ce qui est normal pour une interprète. Une interprète, c'est fait pour changer... l'impression qu'on a d'une chanson ou d'un poème, donc et elle avait fait des choses, il y avait des choses tout à fait admirables là-dedans, et on sentait que cette fille-là elle irait loin, hein. Alors quand on a su que dis quand reviendras-tu, par exemple, quand on a entendu ça et qu'on a su que c'était d'elle, puis il y en avait deux ou trois autres, donc celle que vous avez citée tout à l'heure, madame, on s'apercevait que elle faisait pas de chichi avec les mots, avec la poésie. Moi, ça m'a toujours frappé. Moi et mes copains, on se rendait compte que sa façon de rédiger des poèmes, c'était exactement la façon de Prévert. Hein. La façon de Prévert, c'est que des mots simples. L'objectif, c'est de parler à des gens qui ont le certificat d'études. Mais c'est pas péjoratif, ce que je dis. À l'époque, c'était pas péjoratif. Il y a que des mots classiques qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'imparfait du subjonctif. On s'amuse pas à couper les mots en petits morceaux comme fait Brassens quand il dit, je me suis fait tout petit. Alors, quand on lit la partition, on voit plein de trucs, des voyelles muettes avec des apostrophes. Non, c'est tout complet. Et elle connaît des mots, Prévert aussi connaissait des mots, mais elle connaissait absolument pas la mythologie, par exemple, l'histoire de France, etc. Brassens, c'est pourri de, c'est pas pourri, c'est rempli, non mais c'est d'autres qui sont pourris, c'est rempli de je sais pas quoi, le grand pan par-ci, les Vénus Calipiges par-là, faut encore savoir ce que ça veut dire, enfin, etc. C'est rempli de mots qui viennent d'un peu partout. Et puis maintenant, la mode,
si vous écoutez les chanteurs qui font des chansons, la mode, c'est de mettre des noms. Hein. C'est comme ça, si vous écoutez Full Sentimental, vous verrez, il transforme un nom propre en verbe, et puis il est content de lui, tout le monde parle de lui, et puis il cite des noms, et tous les noms, ils riment, parce que si vous mettez Linton, c'est facile, vous mettez Johnson, et puis ça rime. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on appelle le namespelling, c'est-à-dire placer des mots dans une poésie, en fait, Brassens, il le faisait, mais c'est quand même supérieurement intelligent. Hein. C'était, il y a aucun problème. On sentait que il se trompait pas. Aragon non plus, il se trompait pas de mots. Après, si vous écoutez des chansons ordinaires, vous êtes parfois horrifié. Je vous conseille de regarder tous les soirs, samedi soir, écouter la parole chez Nagui, et vous verrez ce que c'est que la poésie des chansons ordinaires, parce que en général, on l'entend pas. Hein. Mais là, elle est écrite en dessous. Écoutez les paroles. C'est ça. N'oubliez pas les paroles. Et les paroles passent à la télé. Alors là, vous serez édifié hein, sur. Donc voilà. Donc c'est. Ah oui, encore plus. Ah oui, non mais. Moi j'ai toujours dit même avant la guerre parce que quand je faisais de la musique dans les orchestres de jazz, on me faisait chanter des chansons anglaises, c'était odieux, c'était complètement nul comme nul. Puis on disait oh Cole Porter ce mec on peut pas ouais, bien sûr. Bon, alors l'autre influence que j'ai noté c'est l'influence de Ronsard chez Barbara. Et de la copine de Ronsard, c'est pas sa copine, mais sa contemporaine, qui s'appelle Louise Labbé. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette poétesse. Dans toutes les anthologies de la poésie française, il y a une page Louise Labbé, c'est toujours la même. Et dans cette page de Louise Labbé, on entend « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, j'ai grands enduits entremêlés de joie, ainsi amour inconstamment me mène. » Voilà. Et ça, c'est la philosophie de Barbara. Et d'ailleurs, dans « Quand reviendras-tu », il y a trois lignes, c'est les mêmes. Soudain, je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne. Ça veut pas dire qu'elle a copié, hein. Elle a sûrement perçu ça, parce qu'elle lisait pas beaucoup, elle avait pas beaucoup de culture littéraire, en fait. Très grande culture musicale, mais littéraire, sûrement pas. Donc, elle a dû choper ça, ça passait, et ça lui a plu, ou cette structure lui plaisait. Donc, une poésie qui est extrêmement classique, c'est-à-dire respect des règles, les rimes, ça rime. Quand vous lisez un poème quand vous voyez imprimer des textes de Prévert ou de Barbara, ça se voit bien dans une page, ça loge bien, c'est bien rectangulaire une poésie. Hein. Alors que si vous prenez Gainsbourg, des fois ça bouge un peu sur les bords. Mais enfin, il y a pire, il y a toujours pire. Et vous avez noté aussi que, vous noterez aussi que dans quand reviendras-tu, elle arrive à sortir des leçons, des morales, le temps qui dure et qui ne revient pas, là, j'ai perdu la phrase, vous la retrouverez, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. C'est elle qui l'a trouvé, ça, elle n'a pas trouvé dans un, voilà. Donc, côté auteur, c'est ça. Alors, côté compositeur, ça, je peux vous en parler, puis après, on va avancer. Côté composition, Elle a mis en évidence une méthode que beaucoup de compositeurs ont, mais pas de façon systématique qu'elle. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ont fait du piano, quand on fait du piano, on a un bouquin qui s'appelle « Études de piano ». Alors, c'est des trucs, c'est ce qu'on appelle les arpèges, et puis vos gosses, ils répètent ça toute la journée, parce que c'est pour faire la gymnastique des doigts, et pour qu'ils trouvent bien les trucs. Alors ça, c'est écrit, parfois ça tape sur les notes blanches, parfois sur les notes noires, etc. C'est pour exercer le pianiste, hein. Ça s'appelle des études de piano. Alors elle en a fait un principe. Alors je vais vous chantonner. Dis quand reviendras-tu, dis oh, moi le sais-tu, oh tap, oh ta ta, oh ta 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 ta. Alors vous imaginez le type qui joue ça au piano, c'est exactement l'étude de piano. Et pratiquement tout ce qu'elle a écrit, c'est des choses comme ça, mais elle n'est pas la seule. C'est assez classique dans la chanson française, les gens qui écrivent des chansons différentes. Alors pourquoi c'est classique ce truc-là? C'est parce que la chanson française, elle est écrite d'abord à cause de l'écrit et non pas de la musique. Donc l'écrit, c'est soit des alexandrins, soit des octosyllabes, c'est-à-dire des paquets de quatre notes ou de quatre syllabes ou de six ou de huit,
Hein. Donc ça se prête bien l'exercice, parce que Dilka, tatatata, 8, Dilka, tatatata, 8 encore, etc. Donc ça se prête bien à la répétition de la poésie. Alors, par contre, et c'est pour ça aussi que la chanson américaine est faible au niveau des paroles, c'est que la chanson américaine, elle est faite après. Ils ont de grands compositeurs, parce qu'ils ont quand même des grands musiciens, et après, il y a des mecs qui sont des comment j'ai employé le mot tout à l'heure, excusez-moi. Oh putain, bois un coup. Ouais, paroliers. Alors les paroliers, ils mettent des paroles. Et c'est vraiment pas fameux. C'est les paroles qu'on entend en France maintenant, la plupart des cas. Ça y est, parolier, c'est bon. Bon, voilà. Et nous arrivons en 64. Alors en 64, elle avait publié, donc elle a fait à peu près cinq ans à l'Écluse. Elle était passée à Bobino plusieurs fois, elle a fait deux disques, elle sort un disque, son premier disque personnel, 33 tours, et dedans il y a Nantes. Nantes, qui a un énorme succès, on l'entendait tout, 10 fois par jour. Et là, c'est le début de son ascension vers la hors classe. Donc c'est le début de son ascension, et c'est une ascension qui est très rapide. Alors on va revenir sur Nantes tout à l'heure, je vais revenir après tout à l'heure. Donc elle fait Nantes en 64, en 65... Elle est invitée par un recteur un peu gauchiste à aller taper le piano à Göttingen. Elle arrive devant un amphi universitaire. Il y a une scène, alors c'est plus la scène de l'Écluse, hein, c'est une vraie scène. Puis un pauvre petit piano droit là qui traîne là. Elle pousse un coup de gueule et dit « Moi je veux un piano avec eux. Voilà. Moi je suis pas venu pour rien, je veux un piano avec eux. » Alors, vu le luxe du lieu, elle veut un piano avec eux. Alors que tout le monde se taille, se cherche. Puis finalement, il y a des étudiants qui disent « on va vous en chercher un ». Ils vont lui chercher un piano à queue, ils lui ramènent le piano à queue à bout de bras, là, sur la scène. Et là, elle a, envers eux, une attitude très différente. Hein, très, enfin, elle les remercie, elle joue avec eux, etc. Et le lendemain, elle écrit la chanson « Göttingen », qui est une chanson sur l'amitié franco-allemande, l'amitié naissante franco-allemande, et pour laquelle j'ai encore lu ce matin que dans un journal d'antan, elle a même eu une médaille de d'Adenauer ou je sais pas qui, tellement c'était important pour les Allemands d'entendre une Française qui disait on vous en veut pas, en fait vous êtes aussi beau que nous. C'est dans Göttingen, c'est écrit, oh, c'est joli les quais de la Seine, c'est joli je sais pas quoi, mais Göttingen aussi, c'est ça que ça dit, hein, jawohl. Et mais à la fin elle dit: si jamais il y a une guerre, je souffrirai pour les gens de l'autre côté aussi. Donc, et ça, c'était peut-être 10 ou 20 ans avant Mitterrand et Edmund Kohl à Verdun. C'était bien passé. Donc, elle était très en avance. Là. Donc, ça a beaucoup fait pour sa notoriété. Et puis, si bien que en septembre 65, oui, elle a Bobino pour elle toute seule. Toute la scène de Bobino et tout le spectacle de Bobino pour elle tout seule, pour la première fois. Et donc là, on peut dire qu'elle a atteint le sommet, puisqu'elle a atteint Brassens, Brel, tous ces gens-là, et d'autres, et Trenet, etc. Donc elle a atteint la notoriété. Et là, elle transforme ça, puisque quelques mois après, elle fait une chanson qui s'appelle « C'est ma plus belle histoire d'amour », excusez-moi, que vous avez tous entendu, j'imagine, qui est une chanson un peu bizarre, parce que, en fait, elle dit, moi, je suis content de vous retrouver tous. Ah, c'est bien. Vous savez, comme le curé qui arrive. Ah, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous êtes tous venus. Voilà. Je suis content de vous trouver. Elle dit, j'ai galéré pendant des années pour que vous soyez là aujourd'hui. Vous m'avez pas suivi. Alors, des fois, moi, j'étais faire autre chose, etc. Donc tout ça, c'est écrit dans la chanson. Et donc, à quoi ça fait penser? Moi, ça m'a toujours fait penser au film sur Spartacus. Spartacus, c'est un mec qui balade d'esclave en esclave en disant « Bon, il faut qu'on se révolte, les mecs, bougez-vous un peu. » Et puis, il a rien, il prêche dans le désert, comme on dit. Donc, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a prêché dans le désert pendant des années, et puis tout d'un coup, on lui offre l'église pleine. Donc là, elle remercie les gens, et au lieu de les appeler « toi », parce qu'elle tutoie les gens, toi, je vais vous expliquer après pourquoi. Au lieu de dire toi, elle dit toi, mais elle nous fait penser que c'était ces guerriers de différents là, c'est-à-dire ces amants différents.
Donc elle confond, fait exprès de confondre son histoire personnelle avec son histoire amoureuse avec son histoire artistique. C'est assez surprenant quand on lit ça. Et c'est d'ailleurs, alors les autres chansons dont je vous ai parlé, c'est aussi surprenant parce que si vous prenez Nantes, par exemple, c'est vous qui me parliez de Nantes, non vous, Nantes. Nantes, c'est donc la chanson sur le décès de son père. Hein? Alors la chanson sur le décès de son père, donc son père, je vous l'ai dit, l'a violenté pendant des années, il s'est barré. Elle dit que assez longtemps après, elle lui a pardonné sans lui dire d'ailleurs, elle lui a pardonné dans son esprit. Et un jour, elle était dans le cabaret et on lui dit, un coup de téléphone, ton père est mort, on l'enterre demain à Nantes. Donc elle prend sa bagnole et part toute seule à Nantes. Elle arrive à Nantes et après ça devient une chanson. Après ça devient une chanson, l'effet c'est ça. Elle arrive à Nantes. Dans la voiture, ça, elle pense à son père évidemment. Donc ses sentiments pour son père, à chaque fois qu'on père à père, même si vous êtes tapé sur la figure pendant des années, on a quand même on a du sentiment pour son père, donc c'est des sentiments qui lui reviennent, et donc on a l'impression qu'elle a renoué avec son père, elle lui dit qu'elle l'aime, qu'il l'aime, etc. En fait, c'est pas vrai, elle l'a appris le soir à 10h, le lendemain elle était à l'enterrement, elle enterrait son père et tout. Donc il y a rien à voir entre l'histoire, c'est banal, et puis ce qu'elle en fait dans Nantes. Hein. Alors je vous rappelle juste, heureusement que j'ai pris des notes, parce que sinon, je vous rappelle simplement Nantes. « Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourait à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. » Mais ça s'est passé dans sa tête, ça. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique qui s'appelle... donc on dit souvent... Barbara, c'est des chansons autobiographiques. Alors, c'est pas vrai, autobiographique. Ce qui est autobiographique, c'est que son père est mort. Ça, c'est clair. Ce jour-là, ça, c'est clair. Mais après, ça devient de la fiction. Alors, il y a une femme, une romancière qui a trouvé le mot, elle appelle ça de l'autofiction. C'est-à-dire qu'il y a des faits authentiques, puis après, on écrit une histoire qui est inventée. Et donc, ça laisse un sentiment de vérité, de vécu. Hein. Et alors c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens à la télé, ce que vous avez vécu. Il y a une fille qui se fait violer par son père, qui a écrit un bouquin affreux sur son père, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. C'est, bon. Donc ça c'est l'autofiction. Alors elle, Barbara, c'est la reine de l'autofiction. Je vous en passerai un exemple tout à l'heure. Et donc oui, alors pour confirmer ce caractère biographique. Qui est un faux caractère biographique de certaines choses, elle fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, dans toutes ses chansons, il y a un moment où il dit « je me souviens ». C'est pour dire aux gens « c'est mon histoire ». Parce qu'elle raconte l'histoire de l'enterrement de son père, elle n'a pas vécu comme ça l'histoire de l'enterrement de son père. Alors, pour rassurer les gens, elle leur dit « je me souviens hein, », toujours. Et elle dit « je », et fait tout en « je ». Et puis, elle va même plus loin, parce que pour l'enterrement de son père, elle donne le lieu de la maison où elle était le chercher. C'est où ? Alors, 25 rue de la Grange-aux-Loups. Ouais. 25 rue de la Grange-aux-Loups. Alors moi, je suis allé à Nantes plusieurs fois pendant des années. Je demande au chauffeur de taxi, vous pouvez me faire passer vous par la... Chercher ? Non, attendez. Un café ? L'adresse ? 20... Je la connais par cœur, 25 rue de la Grange-aux-Loups. Ouais, elle existe, cette rue. Elle existe, mais elle a été inaugurée sous Mitterrand. Donc, à mon avis, elle ne devait pas exister à cette époque-là. Et le 25, j'ai jamais su. Puis j'en parlais au chauffeur de taxi, il me regardait, qu'est-ce que c'est. Bon, enfin bref. Bon, donc, et c'est vrai ça devient vrai dans toutes ces chansons, importantes où elle livre des messages, qui sont un peu autobiographiques et beaucoup fictionnels. Quand le curé, il vous raconte des histoires, que le saint machin, il est monté sur la montagne tel jour à telle heure, c'est peut-être vrai, mais ce qu'il vous raconte après, c'est, bon, vous savez, c'est de la fiction, donc voilà, c'est comme ça. pardon si je choque des gens. Hein. Bon, alors, autre découverte qui est faite là, non mais je dis ça, mais j'ai rien contre, hein, de toute façon. Vous savez, moi j'ai été prof, hein. Donc un prof, si vous voulez tenir un amphithéâtre tranquille, vous racontez des histoires, ça c'est sûr. Donc vous avez des fonds de choses à dire qui sont importants, vous les faites passer. Puis je vous assure que mes anciens élèves, ils se souviennent de moi, mais dans des termes qui sont assez surprenants. Mais ils se souviennent de l'essentiel aussi. C'est donc l'autofiction. Ouais. Donc, elle se rend compte en arrivant à Bobino aussi que la différence qu'il y a, alors ça aussi, c'est très,
très lié à ce que j'ai appris aussi. Entre un cabaret et puis un grand amphi ou un grand théâtre. Plus tard, je jouerai devant des théâtres où il y a, que comme les théâtres maintenant, où il y a 10 000 personnes, etc., à la fin de sa vie. Donc, il se rend compte de la différence dans un cabaret, comme là maintenant. Moi, je peux pas me permettre, oui, je me permets de parler du curé, puis, sitôt, je freine parce que je me dis, bon, je vais choquer quelqu'un, il y en a même qui va partir, etc. Mais si, non, mais je vous assure, hein, que moi, j'ai joué dans des cabarets, faut faire vachement gaffe, quoi. Donc, sinon, des mecs qui vous engueulent, c'est fou. Et donc, c'est très perméable, le cabaret. Et quand vous êtes dans un amphi, comme le disent tous les experts, en fait, entre le chanteur et ou le musicien et puis le théâtre, il y a un vide. C'est normalement il y a un vide puisque c'est là où on mettait l'orchestre avant. Et il y a un vide. Et donc le chanteur intervient comme chanteur, comme s'il était dans un studio d'enregistrement. Et moi, je peux vous assurer que c'est comme ça. Quand on est prof et qu'on va dans un grand amphi, d'abord, vous n'entendez pas le même bruit dans un grand amphi que dans une petite salle, parce que dans un grand amphi, les gens viennent pour vous écouter. Quand vous faites cours, comme j'ai fait pendant des années à l'IUT, les gens, ils viennent dans votre truc parce que c'est au programme, ils viennent pas pour vous écouter. Là, donc, c'est tout différent. Et donc, elle se trouve à l'intérieur d'un mur de silence qui sépare des gens. Et on est tout étonné parce que on le voit très bien. Il y a des gens qui avaient filmé son premier bobino. À un moment, elle sort de son piano alors qu'elle sortait jamais à l'écluse. Enfin, elle se lève de son piano pour aller vers les gens. Vous savez comme font les humoristes pour faire encore plus drôle. Ils sortent et puis ils prennent un mec à témoin au premier rang. C'est une pipeau intégrale hein, parce que c'est faux ça. C'est justement, quand on est dans une salle, il faut faire réagir la salle. Il faut pas faire réagir à tout seul. N'est-ce pas, madame? Alors, j'essaie de vous faire agir, elle ne réagit pas. Et donc, on voit très bien, elle s'est déplacée, et après, plus tard, elle fera ça de temps en temps, mais de façon très, très, très peu développée. Alors que, si vous regardez les humoristes, ce qu'on appelle les humoristes, maintenant, ils font ça systématiquement. Un humoriste, il vient, il prend une tête de turc devant, si ça se trouve, il a fait la place gratuite avant, hein, donc, et puis il passe tout le spectacle, c'est un duo. Bon, enfin bref, ça c'est votre problème et c'est pas le mien. Alors, donc Nantes, Göttingen, Bobino. Après, on va arriver à l'Aigle Noir qui apparaît un petit peu plus tard, le disque suivant, quelques années après. Alors l'Aigle Noir. Bon, c'est sa chanson la plus connue, c'est la seule chanson qu'on entend encore à la radio actuellement. Si vous faites de la chorale, mesdames, vous avez dû chanter l'Aigle Noir. Oui. Bah, demandez, c'est pas cher. Donc, l'Aigle Noir. Et donc, l'Aigle Noir, c'est une fausse piste. Il y a des gens qui ont dit, oh, l'Aigle Noir, oh là là, à un moment, il vient poser son cou sous le bras de la demoiselle, là, oh là là, là ça sent l'inceste, ça, etc. Et donc, un jour, on l'a interviewé, c'est vrai, on l'a interviewé, il dit, mais vous voulez pas parler de l'inceste, là, ou vous voulez pas. Et elle s'est foutue à rigoler, et elle leur a dit, ben non, je voulais pas parler de ça, ni de Mitterrand, ni d'autre chose, je voulais faire une chanson qui s'appelle L'Aigle Noir. Alors, L'Aigle Noir, et puis elle leur a expliqué, c'est ce qu'on appelait à la période romantique, en Allemagne, on appelait ça des rêveries, hein, c'est-à-dire, quelqu'un qui se mettait à rêver ou dire j'ai rêvé, je me suis projeté derrière, devant, etc. C'est comme Alice au pays des merveilles, hein, c'est des rêveries, ça s'appelle une rêverie. Et donc il y a aucune raison de lui chercher une autre signification. C'est elle qui le dit. Donc moi je me fais cette interprète là. Ceci dit, c'est super bien écrit. Ça c'est des paroles de champion. Hein. Pardon, madame. Ben oui, il y a des gens qui disent, mais par exemple, si vous regardez, n'oubliez pas les paroles. Chaque fois qu'il y a l'Aigle Noir, Nagui dit, petit, machin. Arrêtez, faut arrêter. Elle est morte. Ah oui. Non, elle s'y est même opposée. Elle a dit, non, vous déconnez. Pardon. Oui, bien sûr. Ben après, c'est. Ouais. Oui, mais en fait, il y a un oiseau qui vient. Elle s'endort. Il y a un oiseau qui vient se poser près d'elle et elle lui dit.
dis-moi l'oiseau, ramène-moi à l'époque où j'étais enfant. Hein? Donc ça c'est... Il y a beaucoup de contes pour enfants d'Andersen et tout, ça commence exactement comme ça. Donc, c'est pas trompé. Hein. Donc, elle pensait pas à son père. Hein. C'est traditionnel. Il y a des films aussi entiers qui reposent sur ce principe-là, pour faire des retours en arrière, vous savez. Donc, elle lui dit, bon, bah, tu vas me ramener dans l'époque où j'avais 15 ans, où j'étais heureuse, où mon enfance, c'est tout. Enfin, moi, ça me suffit amplement. Ça avait l'air de lui suffire. Bon, alors ensuite... il va falloir qu'on... Alors, je vous passerai tout à l'heure le plus bel exemple de bio-fiction. C'est une chanson qui s'appelle « Cet enfant-là ». Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors là, je vous ferai les commentaires en même temps. Ça se passe très, très vite. Voilà. Alors, donc, elle est devenue star à cette époque-là. Donc, avant Nantes, elle n'était pas star. Après, Bobino était star. Ça fait en 12 mois, elle est devenue une star. Donc, elle n'a pas changé de vie. Elle n'a pas changé de vie. Moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois au Quartier Latin, qui se baladait, qui allait aux prises uniques, qui déconnait. Donc, pas de problème. Toujours la même. Après, elle a vieilli, parce que en 65, elle est née en 30, elle devait avoir 35 ans. Donc, elle était encore jeunette. Elle a beaucoup tourné avec des disques, des nouveaux disques, etc. Et si on se retourne à l'époque où elle avait 50 ans et commençait à vouloir changer un peu sa carrière, elle commençait à sortir avec des hommes qui étaient de son âge, hein, en disant, de toute façon, à nos âges, c'est plus la même chose qui nous intéresse entre nous. Ça dit bien ce que ça veut dire. Vous savez qu'elle a vécu, elle vivait dans une maison en banlieue nord de Paris. Elle s'est trouvée, elle a accueilli d'abord Brialy, Jean-Claude Brialy, qui a vécu avec elle. Donc, elle disait, on vit ensemble. Donc, elle a Brialy. Ensuite, elle a accueilli Moustaki. Ensuite, elle a accueilli son accordéoniste. Alors là, elle vivait vraiment avec, là. Et puis à la fin, elle a accueilli Depardieu. Elle a vécu avec Depardieu, comme vous savez. Donc, il y avait entre Depardieu et elle, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je considère que c'est la petite cousine de Brassens, mais c'est la petite sœur de Depardieu, hein, pour beaucoup de raisons. Même extraction familiale, même amour des mots, de même façon d'aimer réciter les choses en regardant le plafond, c'est tout à fait la même chose. Donc voilà, puis après c'est éteinte, sa voix a commencé à s'éliminer vers les notes hautes. Elle était très forte pour les notes hautes, puisqu'il y avait des cours de chant. Quand elle riait aux éclats, c'était comme à l'opéra comique, hein, c'était « Ah là, j'avais une tante comme ça ». Quand elle rigolait, nous on était petits, on se foutait sous la table, on pouvait pas supporter. Alors, la voix en vieillissant, se bougit vers le haut. Julien Clerc, actuellement, il subit le même défaut. Il dit, typiquement, je peux plus chanter, quoi, en gros. Hein. Obligé de parler plutôt que de chanter. Gainsbourg aussi, mais pour d'autres raisons, a perdu sa voix. Et à ce moment-là, quand il perd la voix, bah, Gainsbourg avait inventé un truc qui consistait à parler plutôt que chanter. Vous savez, les chansons qu'on entend souvent à la télé. Donc, voilà, elle perd sa voix, puis après, elle va perdre sa vie, puis c'est terminé. Et c'est terminé pour elle. Donc, je vous ferai passer quelques éléments pour tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce que je voulais, puisque je suis dans une... On va parler femmes, maintenant. Hein, voilà. Alors... je pense que ce qui frappe les gens, quand je fais écouter, par exemple, Barbara, quand j'ai fait écouter à ma fille, donc elle a 30 ans de moins que moi, déjà, c'était pas de... Elle était très chanson, mais là, non, ça passait pas. Ça passait pas quand on faisait écouter quelque chose qui passait pas. Et puis, ma petite fille, alors là, c'est vraiment pas la peine. Et alors que toutes les deux, par exemple, vous leur faites écouter du Véronique Sanson, ça accroche tout de suite. Donc Barbara, il y a quelque chose. C'est parce que Barbara, il y a un message. Le message, je vous l'ai dit, sur la fin de sa vie, ou tout de suite à partir des années 70, elle réunissait des grandes salles. C'était la messe. Un tour de chant, c'était un sermon. Hein, très clairement, les gens commençaient les chansons avant, en même temps qu'elle. Chanter en même temps qu'elle, même des fois avant elle, elle était obligée de changer de ton pour se remettre. C'était rigoureusement comme à la messe. Pour
des raisons que je vous ai un peu dévoilées là, à cause de la façon dont il raconte les choses, et les choses qu'il raconte. Et donc, si on regarde en détail sa production poétique, je veux dire, elle est basée autour d'un seul message. Il y a des machins qui sont drôles ou pas drôles. L'histoire du si la photo est bonne, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Hein, bon, c'est le genre de chansons qu'on fait bien maintenant. Il y a des gens qui font des choses comme ça, qui sont juste une petite anecdote, une situation, un petit machin. Elle en a toujours fait un petit peu. Mais elle revenait toujours à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était l'art de vivre et l'art d'aimer. Pour elle, la vie, c'était l'amour. Et puis c'est terminé, elle l'a dit une fois. Et elle dira tout le temps, elle faisait que ça. Donc, souvent, c'est pour ça que les commentateurs, à son sujet, ses spectacles, ils disent, elle nous étalait son catéchisme d'amour. C'est un mot qui est passé dans le spécialiste. Un catéchisme d'amour. C'est-à-dire que, elle avait pour chaque situation quelque chose à dire, une morale à tirer, la faire chanter par les gens pour que « Amen !» Et puis voilà, elle a fait son boulot. Voilà. Et donc, le tour de chant devient donc un prêche. Alors, je m'amuse tout le temps parce que je me souviens toujours de ce truc qu'on entend dans les mariages. C'est « Si me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne ». Ça vous dit quelque chose, ça, si vous allez au mariage, à l'église ? « Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, je ne suis rien, etc., je ne vaux rien ». Ça, c'est hop, lettre de saint Paul aux Corinthiens. Donc ça, dans tous les mariages, on y a droit, ça. 1 Corinthiens 13, c'est de saint Paul. Saint Paul, ça... Saint-Paul. Un cuivre qui résonne. Un cuivre qui résonne, c'est pas la même chose, un cuivre qui résonne. Alors je vous fais passer un tract alors. Voilà. Et vous me le rendez. Hein. Bon, et d'autre part, autre citation qui ressemble à ça. Sans amour, on n'est rien du tout. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est qui ça? C'en est. Ouais, c'est la goualande du pauvre Jean. Oui. C'est ça. Oui, voilà. Après, si je vous dis, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Gainsbourg, oui, Javanaise. Très bien. Bon, on viendrait me voir à la fin du cours. Alors, ensuite. Alors, voilà. Donc, ça, c'est son credo. Le credo qu'il dit, c'est l'important, c'est d'aimer. Mais il y a des chansons comme ça, l'important, c'est d'aimer, etc. Bon, c'était autre chose. Alors, tout à l'heure, quand on parle de cet amour-là, c'est l'amour pour les autres, hein, pour les autres, pour autrui, pour vous toutes, mesdames. Elle, et puis d'autres gens, l'amour, c'est l'amour pour le type qui vous aime en même temps, et avec lequel on vit actuellement. Donc, typiquement, Barbara, c'est ça. Hein. Et alors, à partir de là, elle développe une espèce de morale, de message, en disant, de toute façon, dans la vie, il faut se faire plaisir, donc il faut aimer, il faut être aimé, et il faut être comme le petit chat qui s'aime, vous verrez dans la chanson que je vais vous passer, comme les petits chats qui se roulent les uns sur les autres, etc., on s'embrasse, etc. Ronsard faisait ça très bien, c'est assez classique, mais on l'avait oublié pendant 400 ans, cette façon de voir les choses. Et puis d'autre part, elle dit puis moi je suis une femme libre, je fais ce que je veux, donc je fais ce que je veux. Ce que je veux faire, c'est ça, c'est aimer, être aimé, être et toujours aimé comme au premier jour. C'est-à-dire que si je sens que ma liaison avec quelqu'un diminue d'un iota, toc, je romps, je vais voir ailleurs. Compliqué ça. Et donc voilà. Alors il y avait quelqu'un qui avait pensé à ça, c'était Prévert, parce que lui il avait tout pensé à l'avance. Et est-ce que vous connaissez une chanson qui s'appelle « Je suis comme je suis » que chantait Gréco ? Alors, je vais vous dire. « Je suis comme je suis faite comme ça. » Bon. « Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi ? Si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. » Ça, c'est la morale et le message de Barbara. Et il n'y en a pas d'autre. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein, et puis de toute façon, c'est ce que je pense. Je vous le dis en plus, et elle dit avec des paroles que tout le monde peut écouter. Il y a pas de Kama Sutra dans son truc, hein. Il y a, sincèrement, enfin, vous savez comme moi, c'est des paroles qu'on peut proposer à tout le monde, hein. Il y a pas de, enfin, bref, c'est pas du Michel Sardou. Alors, ensuite,
Donc, c'est sa morale et c'est ce message-là qu'elle fait passer. Et quand elle fait des grands concerts, à la fin, elle fait chanter les gens sur des trucs comme ça, et tout le monde chante. Voilà. Donc, même les gens qui disent, moi, je suis marié avec mon mari depuis 50 ans, mais enfin, je vais chanter ça. Voilà. Ça fait plaisir à voir. Alors, ensuite, cette morale-là, c'était vraiment la morale de l'époque chez les femmes. Enfin, chez les femmes, Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, Paris, ils ont la culture. Ouais. Gréco, Sagan, marchait là-dessus. Même Piaf s'y mettait. Alors Piaf, vous savez que c'était une baladeuse aussi. Hein, mm-hmm. Alors je t'ai raconté ça l'autre jour. Enfin, je t'ai lu ça l'autre jour. Quand Piaf a quitté Montand. Montand, il était à apprendre à ramasser la petite cuillère. Alors, ce qu'il dit à la sœur de Montand. Tu comprends ? Il ne faut pas attendre la fin d'un amour, c'est affreux. Il faut avoir le cran de partir quand on aime encore. Paf, à dégager. Hein ? Ça, c'est du féminisme, non ? Ah, alors, mesdames. Ben oui, mais non, mais il faut aller jusqu'au bout, hein. Non, mais normalement, il faut que ça fasse réfléchir les hommes, ça. Parce que les hommes, ils font pareil. Ils font pareil, seulement ils ne disent pas comme ça. Gainsbourg, vous croyez qu'il ne s'est pas baladé ? Il leur dit non. Alors, voilà, Gainsbourg. Gainsbourg, encore, parce que Gainsbourg, il était fin. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Ouais, c'est joli ça. Enfin, la parole est jolie. Donc voilà, ça c'est Barbara. Ça. Et vous entendrez tout à l'heure une chanson qui s'appelle Parce que, où d'abord elle décline ce qu'elle veut de son Jules. Et puis elle dit c'est mieux, à la fin, c'est mieux, c'est bien mieux de nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller. Du temps que je suis belle. Et moi d'ajouter, elle vous laisse faire la belle du temps qu'elle était belle. Bon, on terminera là-dessus parce que finalement, dans le message de Barbara, il y avait quelques trucs, contrairement à Ferré par exemple, il y avait quelques trucs sur la solitude où elle a parlé. Elle a exposé sa solitude, mais pas beaucoup. Elle parlait que de ça, c'est-à-dire sa quête de la première fois avec tous ses amants. Voilà. Elle parlait que de ça. Donc, c'est un message qu'il faut prendre. Pardon, madame ? Oui, la chanson. Ouais. On va la mettre. Ouais. Il y a quelque chose là-dessus ? Non, c'est un peu dans la même lignée. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. D'accord. Merci.